Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui premier jour des soldes et j'ai décidé de vous emmener avec moi faire du shopping. On va voir ce qu'il y a, s'il y a des pépites et on va faire un petit peu du repérage. J'ai rien mis sur ma wishlist, j'ai rien regardé sur internet, donc on va découvrir tout ensemble. Et comme d'habitude les filles, je sais que vous adorez les hauls. Une fois qu'on aura fini ce petit vlog, je ferai une vidéo, un gros haul solde. J'espère que ça vous plaira et j'espère surtout qu'on va trouver des pépites. Après on va commencer par le premier magasin, ce sera Sephora. Je sors de Sephora, je n'ai rien acheté en solde. J'ai acheté que du make-up qui me manquait, aussi les nouvelles tendances du moment make-up. Je vous montrerai ça dans la vidéo solde. Petit tour dans un des Zara de Cannes. Sincèrement, il y avait des pièces pas mal, mais je ne sais pas pourquoi il n'y avait aucune, quand je vous dis aucune grande taille. Il n'y avait que du 36, que du 38 et malheureusement, comme j'ai grossi, rien ne m'allait, donc je suis sincèrement dégoûtée. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas du tout fait de grande taille. J'ai demandé, ils n'ont reçu aucune grande taille pour les soldes. Je pense que déjà tout était en rupture et comme pour les grandes tailles, ils font très peu d'articles. Ben voilà, c'est vraiment très dommage. Sinon, regardez, il y a des manteaux en promotion, des paires de chaussures vraiment très sympas. Des corsets, des petits hauts, des chemises, des talons, des sacs. Franchement, ça vaut bien le coup d'aller faire un petit tour. Peut-être je regarderai sur internet pour voir s'il y a ma taille. Parce que ça m'a l'air très sympa. Franchement, ça m'a l'air très sympa. Mais voilà, pour les tailles, je suis vraiment dégoûtée. J'ai même pas pu essayer. Parce que souvent, Zara, ça taille un petit peu bizarre. Donc là, c'est pas grave. Je regarderai sur internet directement. À Kiko maintenant, il y a jusqu'à moins 70% surtout sur les soins, les vernis, les fonds de teint, les poudres, les highlighters, les bronzers, les blushs. Donc pour toutes celles qui souhaitent refaire leur make-up, je vous conseille Kiko. À Pull&Bear, rien de spécial mis à part des blazers, des manteaux, je regarderai sur internet. On a passé presque toute l'après-midi à Emeline Cookies, c'est ça? C'est ça. On a mangé un petit bagel et un petit cookie. Et là, on va maintenant à Mango. On va voir jusqu'à moins 50% hors nouvelle collection. Mais bien sûr, moi, je vais toujours aller vers la nouvelle collection. D'ailleurs, je sais pas ce que j'ai aux lèvres. Elles sont toutes bleues. Je pense qu'il commence à faire un petit peu froid quand même. Son sac est en solde. Il est au prix de 17,99€. Il est très sympa. Hein. Bon, regarde, il y a d'autres couleurs. Il est plus cher en marron. En gris, 12,99€. Et là, 17,99€ en beige. Ils sont trop beaux, les sacs, vraiment. Pour le prix, ça va. En plus, un petit sac comme ça en fourrure. J'adore. 29,99€. Il est très beau. C'est beau, le rouge. Il est trop choupi. Ouais, ça se trouve comme ça. J'aime bien, c'est mignon. Un trou d'eau. En rose, il est beau.
magnifique. Ça se voit trop qu'il est cali celui-là. Trop beau. 20 euros. Des sols. En plus, j'ai tout à la maison, donc je me suis dit ça servait à rien que j'achète. Voilà, j'ai pris des choses à Mango, Zara, les filles, j'ai rien trouvé. Franchement, je pense que je regarderai sur internet, mais j'ai fait les deux Zara en ville et rien. Franchement, rien du tout. Il n'y avait que des petites tailles et moi, je fais une taille L, XL et j'ai parlé avec une copine qui travaillait là-bas. Elle m'a dit qu'en taille L, XL, il y avait strictement rien du tout. Donc voilà, bon bah tant mieux, au moins j'ai rien dépensé. À Pull&Bear, je vais encore recevoir une carte cadeau de 150 euros vu que je suis encore en collaboration ce mois-ci avec eux. Je suis trop contente. Ma mère qui ouvre les petits volets pendant que je suis en train de faire ma vidéo. Tranquillou, t'as déjà fouiné ce que j'ai acheté, ma chérie? Ouais, bah, elle ose pas parler, elle ose pas parler, elle est timide. De toute façon, je vous ferai un petit haul vu que j'ai pas acheté grand chose dans la semaine. Je pense que je le ferai dans la semaine ou la semaine prochaine. De toute façon, vite, comme ça, vous verrez tout ce que j'ai acheté pendant les soldes. Je vous ferai des petites sélections sur Instagram et sur TikTok parce que c'est vraiment bizarre que je n'ai rien trouvé à Zara. Il n'y avait rien du tout. Déjà, taille LXL, il n'y avait rien. Donc, j'étais vraiment dégoûtée. Mais c'est pas grave. Au moins, j'ai pas beaucoup dépensé et je vous ai un peu montré ce qu'il y avait. On a fait un petit peu du repérage. Juste, j'ai vu une doudoune vraiment incroyable à Zara. Mais bien sûr, elle n'était pas en solde. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour et les soldes en magasin, ça valait pas trop le coup. J'irai à H&M demain. Je pense qu'il peut avoir des belles soldes. Donc je pense que je vous le mettrai dans la vidéo si je trouve des trucs. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit soit à demain, soit à la prochaine vidéo. Mouah ! Hello mes girls. Au final, je suis de retour à H&M. Vu que j'ai toujours pas monté la vidéo, je me suis dit pourquoi pas vous emmener à H&M. J'espère qu'il y aura des pépites. Parce que comme je vous l'ai dit, je n'avais rien trouvé de très intéressant d'ailleurs. Je sais même pas si je vous montre mon outfit maintenant ou pas, parce que ce sera dans le hall solde. Oh, on voit Sarah d'ailleurs. Bah, c'est ma petite soeur qui m'a emmenée, donc comme ça, au moins c'est parfait. Les filles, H&M, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Regardez ce pull cap qui est vraiment magnifique en bas.
Bon, mais tu m'as... Elle m'a gâché ma vidéo. Mais non, attends-moi. Regardez, elle est trop belle celle-ci. Franchement, j'aime trop. 40 euros. Bon, je pense que je vais attendre la deuxième démarque quand même, mais c'est pas mal du tout. Les filles, je trouve que les soldes H&M, c'est pas mal du tout. Je pense que je vais attendre la deuxième démarque parce que là, il reste quand même pas mal de choses. Je regarderai sur internet à partir de mercredi prochain parce que sincèrement, c'est pas mal du tout. Et en plus, il y a des grandes tailles contrairement à Mango et Zara où il n'y avait rien. Je suis très surprise et très contente. Regardez là, les chaussures aussi. Elles sont trop trop belles ces bottes. 29,99€. À la place de 59,99€. Elles sont super belles. Celles-là, je les veux trop. 19,99€. Oh, en plus, il y a ma taille. Oh là là, je vais regarder si elles sont pas sur internet. Comme ça, je commande tout sur internet. Mais oh, si elles y sont pas, je les prends. Je les voulais trop. Franchement, elles sont canon. Les filles, la nouvelle quoi, elle est incroyable quand même. Regardez ce petit top, comment il est trop trop beau. 20 euros, ça va. J'aime trop les détails, ça fait tellement classe un petit haut comme ça, magnifique. Les filles, je vous ai même pas dit au revoir. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère vraiment que vous avez adoré cette vidéo avec moi et que ça vous aura plu. Ça vous donnera envie d'aller faire un petit peu les magasins. Je vous embrasse et je vous fais de gros bisous. Et abonnez-vous. Gros bisous.